Bonjour tout le monde. Pour ce Forex Expresso, on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. D'abord, on est bien sûr dans l'attente, je vous l'ai dit, des chiffres sur l'inflation dans 1 heure maintenant. Et cette nuit ont été publiés les chiffres de l'inflation en Chine, plus fort qu'attendu. J'ai bien pris en compte vos demandes aussi sur les paires. Alors, on m'a demandé d'analyser le NZD Yen. On va voir tout de suite. On doit analyser aussi l'euro AUD. On va voir ça tout de suite. Et on va avoir aussi l'idée que je vous ai donnée hier sur le câble qui s'est réalisé. Donc, on va voir où on en est là-dessus. On m'a aussi demandé quelle était la relation entre les cours des devises et les taux d'intérêt. Alors, je ne vais pas pouvoir tout expliquer en si peu de temps. Vous pouvez vous pencher sur la littérature économique là-dessus. Mais grosso modo, pour schématiser, quand les taux d'intérêt dans un pays sont hauts, on peut considérer que cette devise, la devise de ce pays a un intérêt puisque c'est le cas de le dire, puisqu'elle va avoir une rémunération plus forte que une devise qui a un taux d'intérêt faible, ou les actifs qui sont placés dans la devise forte, où les taux d'intérêt sont hauts. Alors attention, c'est un des critères qui explique les taux de change, ce n'est pas le seul, et surtout il faut faire la différence entre les taux longs, c'est-à-dire les taux à 10 ans par exemple, et les taux courts entre 0 à 2 ans. Les taux, les changes sont beaucoup plus sensibles aux taux courts qu'aux taux longs. Ceci étant, quand vous avez des devises contre yens, cette relation est un petit peu plus forte même sur les taux longs. Pourquoi? Parce que le yen, depuis 30 ans, a des taux qui ne bougent pas ou qui sont très proches de 0. Donc, la sensibilité des paires en yens, du dollar yen en particulier, est plus forte à l'évolution des taux longs que les autres. Si vous prenez l'euro-dollar, cette relation est plus faible. Elle existe, mais dans la composition du change, elle est beaucoup plus faible parce que quand les taux longs montent aux États-Unis, souvent les taux longs en Europe montent aussi. Donc c'est une différence, vous voyez, relative. Donc retenez que les taux longs, sensibilité des changes, surtout contre yens, et sensibilité des cours de change sur l'évolution des taux courts, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas connu depuis très longtemps, puisque les taux courts jusqu'à 3 mois ne bougeaient pas, étaient à zéro depuis 2008 quasiment. Donc cette sensibilité-là, qui pour le coup est levée, revient sur le marché, donc est à surveiller, mais pour l'instant, sur les taux courts, nous sommes plutôt encore proche de zéro, donc ça ne se voit pas encore. Voilà, j'espère que l'explication c'est un peu plus clair pour vous, mais pour rentrer vraiment dans le détail de la théorie des taux de change et des paramètres qui interviennent sur le change, il faut rentrer dans des bouquins. Alors, je ne sais pas lesquels vous conseillez, mais vous avez les bouquins sur la théorie économique, ou peut-être même le bouquin de Nezambal sur l'analyse technique, peut-être qu'il en parle, ou des bouquins spécifiques sur le forex. Voilà, on prend connaissance de l'avertissement sur les risques et puis on se penche tout de suite sur les différentes paires de devises. Donc, je commence comme toujours par le dollar. Vous voyez qu'on est toujours dans ce régime attentiste sous la grosse résistance entre 94,50 et 94,60. Il est certain qu'il va falloir un chiffre à l'inflation plus fort qu'attendu pour que le dollar vienne titiller cette résistance et la dépasser. On voit quand même une certaine force ce matin, des achats sur le dollar. Donc, ça sera à surveiller.
Rapidement, on va voir l'Eurodoll qui revient. Vous savez ce que j'en pense, hein, depuis plusieurs jours, je vous dis que l'euro-dollar est baissier et qu'effectivement cette zone de support, elle contient à 1,15, 1,25, 25, elle contient tous les rebonds. Ceci étant, vous voyez que ces rebonds sont de plus en plus limités et restent sous l'oblique baissière. Donc pour moi, l'euro-dollar va casser. Maintenant, c'est juste mon avis et il vaut mieux attendre une clôture horaire pour se positionner, une clôture horaire sous cette zone de support pour se positionner, certainement après les chiffres, peut-être. Pourquoi cette zone est défendue? Parce qu'il y a certainement des échéances d'options sur ce niveau et donc pour pas être exercée, cette zone est certainement achetée. Donc je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'elle cède, mais il vaut mieux attendre une clôture horaire avant de se mettre short sur l'euro-dollar. On va voir alors par contre le câble, puisque j'avais émis hier un plan de trading sur le câble qui s'est déclenché ce matin. Donc le câble, vous voyez le doji hier d'hésitation après le rebond et aujourd'hui la longue bougie rouge, mais bien sûr qui va évoluer surtout avec les chiffres. Mais si on avait une bougie de cet ordre-là, de cette typologie-là, voire plus importante à la baisse, ça serait très baissier sur le câble. Donc j'avais dit que si on cassait sur le câble 1,3550, c'était le. Ici, le support ici, on avait un signal baissier. Donc ça s'est déclenché ce matin à 1,3535 en clôture, hein, 1,3535. Et nous sommes sur 1,35 figure. Donc vous avez 35 pips de gain. Le stop loss se place au-dessus du dernier sommet, c'est-à-dire pour moi au-dessus de 1,3570. Ça vous fait à peu près 35 pips de risque pour, on vise, je vous le rappelle, un 34 le plus bas, un 34,25 pour quasiment 100 pips de gain. Donc c'est un très très bon risk reward. Et puis surtout, vous êtes très très bien positionné sur cette paire de vis puisque vous êtes déjà en gain. Maintenant, ça s'accentue de 40 pips. Donc je vous rappelle, mettez un stop parce qu'il y a les chiffres quand même au-dessus de 1,3570 et visez 1,3435. Donc deal à suivre en cours. Vous pouvez, si vous êtes plus conservateur, si vous êtes alors attention parce que le RSI est en zone de survente, donc il peut y avoir un rebond. Si vous êtes plus conservateur, que vous avez peur du chiffre, ce qui peut être tout à fait compréhensible, mettez votre stop au niveau de votre point d'entrée à 1,3535 et comme ça vous êtes tranquille. Si vous avez un gain, vous en profitez. Enfin, si la baisse se poursuit, vous en profitez. Et si jamais il y a un rebond violent, ben vous ne perdrez rien. Ça peut être une très bonne stratégie aussi. À vous de voir selon votre aversion pour le risque. On va donc analyser l'euro AUD. Alors l'euro AUD, on va revenir en quotidien. L'euro AUD, je vous avais dit qu'il y avait une tête-épaule qui s'était déclenchée et on a atteint l'objectif à. On est allé sur l'objectif pile poil et depuis on rebondit. Donc ça veut pas dire donc c'est logique hein, parce que cette figure certainement elle correspond à des niveaux importants. Donc le rebond qui a eu lieu assez violent depuis n'infirme pas la tendance baissière et elle va peut-être nous offrir un point d'entrée à nouveau pour jouer la baisse. Ceci étant, on reste sous la moyenne mobile à 200 périodes et on reste sous cette oblique baissière. Donc, je vais enlever ça d'ailleurs parce que ça peut porter à confusion. Voilà. Voilà. Donc, plutôt neutre pour l'instant sur l'euro AUD, mais avec plutôt la recherche de trade vendeurs
sur cette paire de devises. Vous voyez que voilà, on est sur un niveau qui pourrait très bien ramener les vendeurs, et dans ce cas-là, on aurait une nouvelle vague baissière, puisque depuis la cassure de la tête d'épaule, de la ligne de coup, on n'a pas eu de pullback classique dessus. Donc en fait, le pullback, on l'a a posteriori, une fois l'objectif final atteint, mais ça veut dire que la baisse pourrait reprendre, mais pour l'instant, on n'a pas l'élément, le signal déclencheur que cela va se produire. Vous voyez que à très court terme, sur ce rebond, les creux sur le 1 heure sont ascendants. Il est voulu par palier, le dernier palier étant ici, c'est une droite de polarité. Donc, tant qu'on est au-dessus de 1,5677, cette droite de polarité plutôt neutre, et si on passe sous 1,5677, il faudra se poser la question si la baisse reprend ou pas. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, je préférerais attendre confirmation si jamais on revient sous 1,5677. Voilà, mais plutôt donc neutre et plutôt baissier sur cette paire de devises. On va aller voir le SND Yen, puisque c'est ça, vous me l'avez demandé. Et alors, c'est une configuration intéressante, effectivement, parce que, alors, vous êtes, il n'y a pas de souci, sur une tendance qui est haussière depuis début 2020, sur le NZD Yen, surtout qu'on a cassé cette oblique baissière qui contenait tous les rebonds des cours. Durant depuis de 2017 à fin 2020. Donc, tendance haussière à moyen terme, je suis sur l'horizon de temps hebdomadaire, avec une très très forte résistance sur 83,80. On s'en est rapproché et là on est en plutôt limite respiration, prise de bénéfice. Donc, on va voir que, hop, sur l'horizon de temps en quotidien, on a eu une consolidation en forme de drapeau, en tout cas au sein d'un canal légèrement descendant, une consolidation de la hausse de novembre 2020 à mai 2021, consolidation de mai à ici octobre et impulsion haussière, accélération haussière depuis. Donc, toujours haussier, à long terme et même à moyen terme, avec cette résistance en ligne de mire, à 83,80. On a ensuite une droite de polarité qui est en train de se former, je vais agrandir, qui rejoint donc le plus haut ici de mai 2021 et le plus bas d'aujourd'hui, qui pour l'instant contient la correction qu'on a ici. Ce niveau, cette droite de polarité, qui est en soi un support, correspond aussi à un retracement Fibonacci de la dernière vague de hausse de 38,2. Donc, en clair, et si vous rajoutez les bandes de Bollinger, hop, on va rajouter ça, vous allez voir, ce qui est fantastique, c'est que nous sommes sur la borne basse de Bollinger, sur la borne, oui, sur la bande basse, pardon, de Bollinger. Donc, pour moi, je vais enlever Bollinger pour éclaircir un petit peu le. Hop. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'on touche la borne basse, la bande basse de Bollinger que c'est un signal d'achat, pas du tout, hein. Mais ça veut dire qu'on est juste sur un support. Mais le fait qu'on ait ces trois éléments techniques,
me fait dire que tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, donc qui correspond à 80,18, nous restons haussiers, je reste haussier sur le NZD Yen avec un objectif à 83,80. Alors, je ne sais pas si vous voulez rentrer sur cette paire de devises ou si vous êtes déjà en position. Donc, si vous êtes déjà en position et que vous avez fait des gains substantiels, vous pouvez mettre votre stop loss sous 83, 80,18, même sous 80, puisque c'est un niveau psychologique. En tout cas, c'est ce que je ferai. Si vous voulez rentrer sur cette paire de devises, j'attendrai une bougie positive, un chandelier haussier vert assez conséquent pour me positionner et je mets le stop sous 80 figures. Maintenant, si on casse 80 figures, alors la correction peut aller vers le retracement Fibonacci de 50% et surtout sur le retracement Fibonacci de 61,8 parce que ça correspondra aussi à un niveau de polarité qui se situe sur 78,68 et qui là à mon avis si on y va le RSI sera beaucoup plus bas et on aura un point d'entrée qui sera beaucoup plus intéressant que de rentrer maintenant si encore une fois on a une hausse, mais même si vous avez une hausse ici, vous êtes proche du stop loss, donc en termes de trading, la probabilité est tout à fait intéressante et justifie à elle seule, la probabilité de risk reward justifie à elle seule une entrée de position. Voilà ce que je pouvais dire sur le NZD. Yen, les autres devises, on va les passer vite fait en revue parce que, je vous le dis, on est en attente des chiffres sur l'inflation. Donc, toutes les paires en yen, pour l'instant, vont beaucoup bouger suite aux chiffres, très certainement. Et on a vu les principales devises. Hein, donc, les supports sont les mêmes qu'hier. La moyenne mobile sur le sterling yen à 200 périodes. Sur le dollar yen. Vous êtes alors j'ai enlevé les retracements, mais il y avait un retracement de 50% à surveiller. Je vais dire deux mots vite fait du kiwi qui revient sur un support à 0,7073, mais encore une fois, cette bougie peut évoluer assez fortement avec les chiffres de l'inflation. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Donc, chiffre de l'inflation dans 1 heure. J'ai répondu, j'espère, à vos questions. N'hésitez pas à commenter si ça n'a pas été assez clair et à me proposer aussi d'autres paires de devises. Vous voyez que le NZD Yen, par exemple, c'est vrai que je ne la traite pas parce que je ne peux pas tout faire sur le Forex Expresso, mais il y a plein de devises qui offrent des opportunités et le NZD Yen va peut-être offrir une des possibilités, je vous ai donné les niveaux à suivre. Voilà, je vous souhaite de bons chiffres, de bons trades, une bonne après-midi. N'oubliez pas vos stop loss et à demain. Non, pardon, pas demain, vendredi. Demain, c'est le 11 novembre, je ne serai pas là. À vendredi donc.